2. Ce Bordeaux. Ah, il vient en fait du domaine de Cuché, dans le sud-ouest de l'Amazonie. En Amazonie? Oh, oui. Ouais. Bon, je vais chercher la suite. Ah. Non, c'est bon, c'est juste qu'on a entendu dernièrement des informations. Un tueur qui venait tout droit d'Amazonie. Ah bon? Ouais. Non, que ça a l'air bon tout ça. Allez, on va se régaler. C'est trop bon, hein? Merci. Ah.
pas. Ah, je dis. Oh. Eh ben. Vous avez trouvé comment, Jack? Super bon, hein, mais peut-être qu'on a bien bouffé. Eh ben, mes enfants, quel repas. Ah là là. On s'en souviendra. Ouais. Ouais, on s'en souviendra. Ouf, je veux bien en toilette, là. Et au fait, il est où, Larry? Oh, mais tu sais, Larry, il est aux toilettes, et puis lui, il a du temps, quoi. Ah oui, ah oui, alors lui, il est vraiment long, hein. Oh là là. Oh là là, cagère. Mais pourquoi il est aussi long? C'est parce que Larry, aux toilettes, il lit. Il lit le journal. Oh. Parlez-moi de votre histoire d'Amazonie. Bon, je crois que cette fois il va falloir lui expliquer, Pascal. Maintenant, je crois qu'on n'a plus le choix. Quoi? Il y a un truc là? Certes, ce tueur est un dangereux criminel. Mais il y a plus grave encore. Le plus grave, c'est ce qu'on a lu ce matin dans le journal. Il s'est échappé. Il est de retour. Tiens, tiens, un dangereux criminel s'est échappé d'Amazonie. Aux dernières nouvelles, il semblerait que des témoins l'aient aperçu dans notre région. Ce tueur utiliserait des couteaux de cuisine. Un serial cutter. Un serial cutter? Mais comment tu sais ça, Jack? Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses pendant mon voyage. Vous vous souvenez de l'histoire que vous m'aviez racontée l'année dernière? Eh bien, ce tueur utilise des couteaux de cuisine. Jeune serial cutter? Mais alors, il est revenu? Oh, Kager. Kitchen. Killer. Cut. Au point d'en on peut dire que c'est la Kager.